Et salut à tous, c'est TipsAiron, j'espère que vous avez la pêche, comme d'habitude je suis avec TipsWempy. Yo. Et donc aujourd'hui on fait ce petit vlog pour vous remercier pour les 1000 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment super, donc on vous fait 1000 bisous. Poutou poutou. Bisous poutou. On savait pas si on allait tenir jusqu'aux 1000 et maintenant on est plus chaud que jamais. Là on a réussi, on a passé la barre des 1000, c'est les plus durs. Donc bah on a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles comme toujours, donc tu veux commencer par quoi? On va commencer par la mauvaise nouvelle plutôt. Donc on a 3 membres. Et pas n'importe lesquels qui sont partis de la Tips là très récemment dans la semaine. Ouais. Donc il y a Atex qui, enfin on va passer assez rapidement dessus, mais il y a une embrouille avec tous les membres. C'est ça. Et il est parti, voilà, il a changé de team. Ouais. Ensuite on a Optix, je sais qu'il y en a qui vont faire la grimace, mais voilà, il avait simplement envie en fait de faire un RC, d'aller voir autre part, je crois. Et je le comprends, il avait juste envie de changer un peu. Mais il nous a annoncé son prochain retour. Ouais, il nous a dit qu'il allait revenir dans pas très longtemps parce qu'il tient vraiment à la team, etc. Et bah, on respecte ton choix, bonne chance dans ta nouvelle team et on espère que tu reviens bientôt. Et reviens vite. Hein. Et on t'aime, Optix. Tu nous manques. Hein. Et ensuite, il y a Nexia, donc un de nos meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur qui est aussi parti. À cause de l'Optix, etc., qui était parti. Et lui, il est parti dans la Rage. Donc, GG à toi, team à 70 000 abonnés. Grosse team, française, je crois. Ouais, française. Et bah, là, ils ont un top 10, non, un top 5, commenté par Skyros qui vient de sortir et il est passé dedans. Donc, on vous mettra un lien. On vous mettra un lien, ouais. Comme d'hab. Pour l'aider un peu. Donc, gros GG à toi, Nexia. Gros big up et bah, bien joué, mec. On pense à toi. Mais du coup, pour un peu compenser cette lourde perte qui a suivi la Tips avec le départ de ses membres, on a un nouveau qui revient, Tips Kairos, qui était déjà là auparavant. Ouais, donc, c'est la bonne nouvelle. C'est ça. Donc, un bon vieux Kairos. Voilà. Donc, re-re-bienvenue du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, je suis pas content de te revoir. Exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein, il me vole mes phrases, cet enculé. Oh, tu es calmé, ok. ensuite, petite précision, il y a juste Tips Volt qui change de gamertag parce que. À cause d'un hacker. Comme Wizzy s'est fait hacker son compte, donc merci beaucoup. Donc maintenant il s'appelle Tips Laze. Voilà. Voilà, hashtag chips. C'est ça. Donc voilà, juste une petite précision. Du coup, je tenais aussi à vous parler pour cette vidéo 1000 abonnés du Recruitment Challenge qui avance. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez sur la tête de ce pauvre con. Ouais, allez-y. Et du coup, en fait, bah, on a reçu pas mal de demandes, voire énormément même. Ouais, beaucoup de gens qui vont le faire. Ça fait super plaisir. On a eu également des GFX, donc moi qui suis GFX, ça m'a fait très plaisir. Pas mal de GFX, ouais. Et voilà, du coup, bah, je vous souhaite à tous encore bonne chance. Il vous reste un peu plus de. Il reste quoi, 3 semaines. On est 18. Et 3 semaines, c'est ça? Ouais, il reste pas beaucoup de temps. On a fait la moitié, je crois. Ah, bah, ouais. Bah, bonne chance pour le temps qui vous reste. Voilà. Et j'espère en voir. De nouveaux membres. Ouais, bientôt, hein. On espère avoir du niveau, alors on compte sur vous les gars. Ah ouais les mecs. Et donc au niveau des nouveaux projets, on va lancer une nouvelle série, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai appelé ça Changeant de Disque, parce que ça fait un petit jeu de mots avec l'expression, etc. Et donc c'est une série où on va faire d'autres jeux, comme son nom l'indique, que Call of. Donc comme projet j'avais Borderlands 2. Ouais, on voulait partir sur du GTA 5. GTA 5 sur la Xbox, PS63 par contre. Un gros point qui est peut-être un peu sensible parce qu'il y a peut-être pas beaucoup d'entre nous qui y jouent, mais c'est League of Legends du coup. League of Legends, ouais, ça c'est. Il y a un gros jeu fort en ce moment du coup. Ouais, il y a énormément de League of Legends sur YouTube et il y a des abonnés qui nous ont demandé donc je pense qu'on va faire une petite vidéo voir si vous aimez ça. Pour mon main Poppy, bah. Hein. Ceux qui s'y connaissent un peu. ensuite, du Don't Starve. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu vachement marrant en multi. Je sais pas si c'est de. Je sais pas, c'est un jeu de survie. Hein. C'est un jeu de survie en fait. C'est, vous prenez Minecraft, vous mettez de la survie et ça fait dans le Star. Ouais, ça c'est pas tellement Minecraft quand même. Non, mais c'est un peu le concept. C'est un peu le même concept. Le concept de bac à sable. C'est vraiment sympa. Hein. C'est un monde ouvert dans lequel vous devez survivre en fait. Voilà. Et c'est vraiment un petit jeu super sympa. Et on a passé moitié des nuits dessus. Ouais, franchement. Et donc, tu voulais faire du Mortal Kombat 10. Et voilà, je me suis dit, le dernier Mortal Kombat qui vient de sortir et qui est déjà sur BitTorrent. Que t'as acheté, bien évidemment. Du coup. Et donc, et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux vous en faire? Le multi est aussi sur BitTorrent. Du coup, bah, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa en fait. Donc, si vous avez d'autres idées, bien sûr, vous nous les balancez dans les commentaires. Hein. Vous nous balancez toutes vos idées de jeu dans les commentaires et puis on verra ça se passe. Voilà, s'il y a moyen de le faire. Ensuite, après avoir parlé de tous ces jeux, j'aimerais vous dire aussi qu'on est en train de bosser du côté de la team. Essentiellement moi, mais c'est pour toute la team. Donc, sur une nouvelle intro parce que l'ancienne commençait à se faire un peu. Ouais.
un peu vieille, le temps commence à frapper. Ouais, donc pour les 1K. Et donc pour les 1K, ça devrait être prêt. Donc je vous ai fait pas mal de trucs badass. De l'élément 3D, des explosions, des machins. C'est sponsorisé par Michael Bay, du coup j'espère que ça vous plaît. Voilà, et aussi petite précision, on a dit qu'à partir des 1K, on reprenait l'activité sur la page Facebook parce que vous commencez à être beaucoup dessus. Donc ouais. Allez-y, hein, le lien est toujours dans la description. Comme d'hab. Donc allez voir la page Facebook et on va poster nos projets en cours, etc. Il met souvent des screenshots de ces projets en cours, etc. Je vais faire la même, je pense. Donc si vous voulez vraiment être tenu au courant à l'instant, quoi, ouais. C'est là qu'il faut se rendre. Non, lance. Après, on a décidé, à partir des 1000 abonnés, de lancer les lives, parce qu'il y en a aussi de vous qui nous ont demandé de le faire. Donc je pense qu'on va commencer sur YouTube. Sur YouTube, c'est là-dessus qu'on a le plus d'audience déjà. Et puis... Et en fait, les lives, ça va nous permettre d'essayer de nouveaux trucs sans trop prendre de risques, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, si on veut essayer un nouveau jeu, ou même, j'avais pensé à essayer des tutos d'edit, ça peut peut-être vous plaire. Mais c'est assez risqué comme truc en fait. Ouais. Donc on va commencer par mettre ça sur des lives. Parce que pour l'instant on peut pas trop live sur la Xbox et ça c'est un gros problème. Vu que j'ai pas le game capture pour, je sais pas si Wiz il l'a. S'il l'a ce serait super. Désactiver Adblock les gens. Parce que ça il aura. C'est ça. Et donc on va commencer à live sur PC, on essaiera des nouveaux jeux, etc. Voir si ça vous plaît un petit peu. Forcément on fera des vidéos pour vous annoncer les horaires, etc. Vous inquiétez pas. Après il y a un événement, enfin il y a deux événements qui vont arriver au mois de mai. Il y a le SWC au Zénith de Paris. Donc, ouais. Je crois qu'il y a un peut-être gros des... truc. Ouais, avec Quartet, Gotaga, etc. Et je crois qu'il y avait quelques tips qui voulaient essayer de venir aussi. Donc on va voir s'il y a moyen d'y aller, de faire une vidéo pour vous, ça serait sympa. Un peu comme la Paris Games Week, il y a un truc du même style. Ouais, voilà. Et ensuite, il y a un truc très très important, c'est, je sais pas si ça va se faire, mais il y a mon cousin qui peut me permettre en fait d'accéder à un truc qui s'appelle un apéro tube qui est privé, où il y aura certains des plus gros youtubeurs français. Qui est organisé par Gonzague, donc je pense que vous connaissez, c'est quand même un gros gros youtubeur français. D'ailleurs, mais encore une fois, cliquez pour aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. Ouais, ouais, mais je pense qu'il connaît. C'est pas du sniper, hein, c'est autre chose. Non, c'est pas du sniper. C'est tout aussi marrant. Mais voilà, et donc ça nous permettra de parler avec eux, etc. Et je pense que si je vais là-bas, forcément, on vous fera une vidéo. Ce sera exceptionnel. Je pense qu'on ira tous les deux et ce sera super. Vous pourrez parler avec eux, échanger un petit peu et ce sera vraiment super. Ensuite, il y a le 1K Team Tage qui avance, mais il est quand même vachement long. Il y a 8 minutes, comme je vous ai déjà dit, donc il va arriver dans pas trop longtemps, mais soyez patients pour l'instant. Enfin, pour terminer cette vidéo, on souhaitait faire une petite annonce pour une dernière vidéo pour les 1000 abonnés. Ouais, parce qu'en fait, cette vidéo, c'était surtout pour annoncer une prochaine. On fait qu'annoncer des vidéos, en fait. C'est notre principe. C'est comme ça qu'on avance. Du coup, cette vidéo sera une vidéo setup. Où donc les membres de la team vont vous présenter tout leur matos IRL. Ouais, dont nous deux et Vali Wiz. Et après, je sais pas. Ouais, bah de toute façon, on leur demandera et puis ceux qui voudront, bah. Ouais, voilà. Donc je vais vous présenter un peu cette salle. Voilà. Mon environnement. Les fameux atouts, mon PC, vous voyez, peut-être. Etc. Ouais. Parce que donc, c'est un abonné qui nous a demandé encore une fois. Donc, un setup. On est à l'écoute des abonnés, vous avez vu. Voilà, demandez-nous des trucs. N'hésitez pas. On est là. Et en même temps que la vidéo setup, on aimerait aussi faire une FAQ, si ça vous intéresse. Donc vous foutez vos questions dans les commentaires, je pense. Voilà, je pense que dans les commentaires, serait le plus simple. Dans les commentaires, c'est le plus simple. Vu sur limite, Twitter, on n'est pas très actif. Ouais. Sinon, après, il y a Facebook, par mail, comme d'habitude. Mais dans les commentaires de la vidéo, je pense que ce serait quand même le mieux. Et donc, on répondra à vos questions pendant cette vidéo. Voilà. Exactement. Et voilà les gens, c'est déjà fini, du coup j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, que nos projets vous intéressent et que vous allez les suivre avec intérêt. Vous êtes de plus en plus et ça monte de plus en plus vite, donc encore une fois, merci à vous, on vous aime. Continuez les gens. Tout ça c'est grâce à vous. C'est ça, je vous souhaite de garder la pêche moi aussi. Et comme sinon, d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Cliquez sur moi, voilà, si vous voulez vous abonner. Et sur lui, cliquez pas s'il vous plaît. Au-dessus de ma tête, il y aura une vidéo, allez. Au-dessus de sa tête, il y aura une vidéo. Encore, vous vous rendez compte? On est des fous. Allez. Et donc voilà. Donc, bah, commentez, likez, partagez. Comme d'habitude. Voilà. J'espère que ce genre de vlog vous plaît. Ça change un peu des. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Des vidéos classiques. Donnez-nous votre avis. Hein. C'est vraiment. Je suis interactif. Et du coup. C'est ça. On est à votre écoute. C'est ça. Merci encore de nous suivre. Allez, bisous, bisous. C'était la Tips en direct de la salle de gaming. C'est ça. On se retrouve pour la prochaine vidéo setup et FAQ. Allez, ciao les gens. Ciao tout le monde. Gardez la pêche.